Good morgen, allez, Idan et sur aujourd'hui le Nishmat Avraham Nechai Ben Israël Bephanit. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yevamot, Perek Bet Mishnachet, Mitzvah Begadol Yabem, Vim Kadam Akatan, Zacha. Anitan ala Shifra Benishtachrera o ala Nochrit, Venitgaira Arezel o Ichnos, Vim Kanas en Mosin Miado. Anitan ala Shetish, Votsiu Amitachat Yado, Afal Piche Kanas, Yotsi. Deux sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, mitzvah d'agadol et yabem, la mitzvah du yiboum, elle incombe en priorité, on va dire, au gadol, au grand frère. Vim kadam akatan, zaha. Cependant, si le petit frère, il a pris le devant, il n'a pas demandé la veille à son grand frère, il a sauté sur l'occasion, il a pris la femme, il a fait le yiboum avec elle, il l'a acquis, c'est devenu la sienne, et il aurait pu la rendre au grand frère, bien évidemment. Soit, c'est une manière un peu spéciale de lire les psukim à l'occasion, peut-être qu'on ouvrira les psukim, on les lira dans le texte. Mais au sens simple, les psukim nous disent que quand il y a une femme qui va décéder, que son mari ne lui. Quand un homme va décéder, qu'il n'aura pas laissé de progéniture, eh bien, la femme, elle sera pas, elle n'ira pas se marier avec quelqu'un d'autre, le grand frère se mariera avec elle. Et le psukim continue en disant Vaya Bechor Asher Teled Yakum Malchem Achiv. Au sens simple, on a l'impression que le psukim nous dit que le fils aîné qui va naître, il devra le nommer au nom du grand frère. Dans la réalité, Chazal les explique que c'est aucun rapport, il n'y a pas de mitzvah de nommer le petit au nom du grand frère, mais il y a une mitzvah de faire au nom du grand frère, ouais, au nom du frère défunt, mais plutôt, Vaya Bechor Asher Teled, ce sera le frère aîné qui va aller lui faire, lui donner progéniture. D'accord? Et Yakum Hashem Achiv, c'est le frère qui a fait le hiboum, il recevra en contrepartie, l'héritage de son frère. On aura l'occasion de redécouvrir ça. Je crois que c'est au Père Guimel plutôt. Plus dans les détails, au Père Dalet. Et d'accord, on verra ça mieux. Pour le moment, en tout cas, donc, on déduit en tout cas que la mise est sur le grand frère. Cependant, si le petit frère, il n'a pas posé de question, il a pris la Yebama, ils ont fait le hiboum ensemble, il est parti avec elle, et bien il a acquis, c'est devenu sa femme, et c'est tout. D'accord? Autre sujet. Sans transition, très étonnant, on a un sujet qu'on va ouvrir maintenant, depuis maintenant, jusqu'à la fin du Pérec, qui n'a aucun rapport, mais des fois il y a un brin de rapport entre les sujets qui s'enchaînent, là, rien du tout, je me demande pourquoi, personne ne nous soulève la question. En tout cas, on passe un tout autre sujet, à présent, ça, on va parler en fait des cas de où un homme est comment dire, suspicieux, blablabla, j'ai pas le mot, c'est pas grave, on est au Nit'an à la Shifra, Venishtachera. Oh, il y a des hommes qui sont suspectés, ouais, c'est pas mauvais. On les suspecte d'avoir eu des rapports avec des femmes qui lui étaient interdites, mais qu'après ces femmes-là vont lui devenir permises. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec elles ensuite? Ou bien non? Est-ce qu'étant donné que si quelqu'un était soupçonné d'avoir fait quelque chose de pas bien, après, s'il va se marier avec elle, quand elle va devenir permise, alors. D'accord, il y a plusieurs situations. Le premier cas, c'est Anitan al-Shifra Venishtachera. Quelqu'un qui était soupçonné d'avoir d'entretenir des rapports avec sa servante Goya, enfin Goya, Evet Knani, quoi, Shifra Knani, et après il l'a libéré. Ou encore, Oalan Ochit Venit Gaira, où il était soupçonné avec la voisine Goya. Tout le monde disait, hein, lui, il a des écarts avec elle, hein, et du jour au lendemain, elle se convertit, au bout d'un an, il se marie avec elle. Tiens, on a la preuve par A plus B, non? Alors c'est pour ça que justement, pour éloigner toutes les ragots et les rumeurs, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait d'acte, c'est pas le problème. En tout cas, Rezé Wichnos, il ne se mariera pas avec elle. D'accord? Mais par contre, Veim Kanas, mais si après coup, une fois qu'il s'est marié avec elle, alors En Motsin Miado, on ne lui demandera pas de la sortir, parce que finalement, il a fait une avéra, mais il n'y a pas de raison d'interdire cette femme aujourd'hui, si ce n'était le fait d'éviter et d'éloigner de soi tous les ragots qu'on pourrait avoir. Ça, c'était pour une servante, ou une Goya. Par contre, Anit Anna Leshatish, quelqu'un qui est soupçonné d'avoir entretenu un rapport avec une femme mariée, Ve Otsi Uha Mitachat Yado, et après, ils ont fait divorcer la femme de son mari. Plusieurs discussions avec Mara, est-ce que ça a été prouvé ou ça n'a pas été prouvé? On a juste eu des ragots très forts que Réhouven, il est parti avec la femme de. Il y avait une rumeur dans toute la ville et ça fait que de parler de ça, jusqu'à qu'à la fin, le mari, il a divorcé sa femme. Ou sur le conseil du Bedin, en fait. Comme ça qu'il apporte le Bartanois.
Et après quoi, il la divorce. Et puis finalement, 4 mois après, on entend qu'ils sont en train de vouloir se marier avec celui avec qui elle était suspectée d'avoir eu des rapports. Eh bien, ça s'associe à la Mishnah, elle me dit, Afalpi Shekanas, Lo Yotzi. Même s'il a ensuite. Afalpi Shekanas, Yotzi. Même si après, il s'est quand même marié avec elle. On a dit, toi, tu n'as pas le droit de te marier avec elle. Tu as été soupçonné que c'est toi qui l'as fait, qu'à cause de toi, elle a fait ton mari. Alors, tu ne pourras pas te marier avec elle. Et si toutefois, il est parti se marier, eh bien, on lui forcera à divorcer sa femme, on ne les laissera pas ensemble. Pour quelle raison? Ben, il faut savoir qu'une femme qui a eu fait un adultère, qui est partie avec un étranger, elle devient interdite à son mari et interdite aussi à l'homme avec qui elle a eu le rapport. Doublement interdite. Interdite avec l'accord, on va prendre une femme, Rachel, Josiane, d'accord, non plus Goy, enfin, pas une bonne femme, Rachel, qui a eu qui était mariée avec Jean-Paul, et puis elle a été soupçonnée d'avoir des rapports avec Jean-Luc. Si Jean-Paul le divorce, il n'y a pas de la pleura, ben ni elle pourra, si, non, toutefois, je me reprends, si ça a été prouvé, d'abord, premièrement, si ça a été prouvé qu'elle a eu un rapport avec, elle a eu un écart avec l'autre, je sais plus où j'en étais, Jean-Luc, eh bien, dans ce cas-là, elle devra, elle sera interdite à son mari, la Baal de la Boel. Elle sera interdite à son mari et à celui qui a eu le rapport avec elle. Son mari devra la divorcer et se mariera avec un étranger. Si elle était juste soupçonnée, alors là, c'est toute une histoire. Parce que là, après, il faut juger les soupçons. Est-ce que ça a été un vrai témoignage? Ça peut être un vrai témoignage. Qu'est-ce qu'on a vu d'eux? Est-ce qu'on les a vus avoir des gestes tendres, mais pas forcément avoir des rapports? Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux? Il y a un long Tiferet Israël ici, à la fin de... Ici, voilà, dans notre Mishnah, qui rapporte plusieurs cas différents, à quel niveau craindre ou pas craindre. En tout cas, si toutefois on se retrouve dans une situation où le mari il a conclu qu'il valait mieux quand même la divorcer parce que c'était vraiment flou ce qui s'est passé là entre eux, s'il la divorce, l'autre il pourra pas non plus se marier avec elle, et s'il s'est marié avec elle après coup, on le forcera à divorcer. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.